Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp, j'espère que vous allez bien. On fait une danse qui s'appelle Count the Beers. Alors, c'est une chorégraphie de Anna Reeves. Je ne suis pas sûr que je le prononce de la bonne façon, là. J'espère que oui. Alors, c'est une danse qui a 32 temps, qu'on fait sur quatre murs, de niveau débutant, intermédiaire. Alors, il n'y a pas de transition. Par contre, il y a deux restarts. Alors, puis une petite, il n'y a pas de finale particulière. Alors, on commence avec la première partie, pied droit, on va de côté. Côté, croise en arrière. Rendu ici, on va de côté avec le pied droit. On présente le talon en diagonale. Et on va reculer le pied en ramenant le pied gauche. Puis on va croiser en avant. Alors, dans le fond, ça se fait quand même assez rapidement pour ces pas-là. 7, 8, 1, 2 et 3 et 4. Rendu ici, de côté, 5. On ramène ensemble, on fait un stomp et on tape des mains. 6 et on fait un chassé de côté. 7 et 8. Quart de tour à gauche. Alors, si on reprend la première partie, pied droit, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième partie, on balance en avant, pied droit, 1, 2, on fait un chassé demi-tour à droite, donc côté ensemble en avant. Et rendu ici, dans le fond, on a deux options. La façon officielle, il faut tourner un tour complet vers la droite. Donc, on recule le pied gauche. Demi-tour à droite, on avance le pied droit, demi-tour à droite, et on fait un chassé en avant
avec pied gauche. Okay? Alors, si on le refait de cette façon-là, pied droit balance en avant. 1, 2, chassé demi-tour. 3 et 4 tours complets. 5, 6, chassé avant. 7 et 8. Alors, si des fois, on ne veut pas faire le tour parce que c'est un petit peu étourdissant, quand même, ce n'est pas facile. Ça fait un tour et demi, finalement. Alors, on peut faire aussi la chose suivante. On balance, chassé demi-tour, on marche deux pas. 5, 6 et chassé avant. Donc, ça remplace le tour complet. Okay? Les deux options sont bonnes. Moi, je vais continuer à faire la version en tournant, mais on peut faire la version en marchant aussi. Okay? Alors, si on commence du début, première partie, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième partie, on va en avant avec le pied droit et on va pivoter un quart de tour vers la gauche en mettant le pied sur place, le pied gauche. Donc, en avant, sur place, quart de tour. En avant, sur place, quart de tour. Donc, on fait un demi-tour à gauche et on va faire un jazz box ouvert. Croisé, en arrière, côté et on va en avant. Alors, si on part du début, pied droit, 7, 8, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, 8. Dernière partie, pied droit, on fait un chassé avant et on va faire un demi-tour à droite. 1 et 2, on va en avant. 3, 4, même principe en partant du pied gauche. Et demi-tour à gauche. 5 et 6, 7, 8. Donc, on revient au même mur finalement. Okay? Et rendu ici, on repart du début. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. La section numéro 1. Alors, si on reprend du début. 6, 7, 8. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, demi-tour, 4, 5 et 6, demi-tour, 7, 8. Et on reprend, 1, 2. Alors, quand on fait le deuxième mur et le sixième mur, on fait seulement les 24 premiers temps. Donc, on va jusqu'au jazz box et on fait des restarts. Mur, le deuxième mur, à la fin du deuxième et à la fin du sixième. Donc, le deuxième est ici. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, 8. Restart, 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. On reprend du début. Donc, à la fin du deuxième mur et du sixième mur, et c'est toujours lorsqu'on est face au mur arrière, à 6 heures, qu'on fait le restart. Okay? Pour la finale, on va arriver sur le mur avant, après avoir fait, dans le fond, la troisième partie. 1, 2, 3, 4. Et on finit avec le jazz box. 5, 6, 7, 8. Et on met les mains de chaque côté. Mais c'est une finale, dans le fond, très personnelle. Okay? Alors, merci beaucoup et bonne danse. Hey guys, this dance is called Count the Beers. It's choreographed by Anna Rees. I hope I'm pronouncing it the right way. I'm not sure. So it's a 32 count, four wall, high beginner level line dance. So there's no tags, but there's two restarts. So let's start with section one. We start with the right foot. So we go side, behind with the left, and then you will do a heel jack cross. So you go sideways with the right foot, you put your heel diagonal to the left, and then you will bring back the left foot to the center, slightly back, and you will cross with the right foot. So let's do these particular steps with the counts. 7, 8. 1, 2, and 3, and 4. Then you go sideways with the left, and as you bring back the right foot together, you do a stomp, and you clap your hands at the same time. Okay? Then you will do a quarter turn to the left, a side shuffle. So side together, forward. Okay? So let's do section one with the counts. 7, 8. 1, 2, and 3, and 4. 5, 6, 7, and 8. Section two, you rock forward, starting with the right foot. So forward, recover on the left.
Then you will do a half right turn side shuffle. So side, together, forward. Then you will do a full turn to the right. So as you go back with the left foot, you do a half right turn. And as you go forward with the right foot, you will do one more half right turn, followed by a forward shuffle, 7 and 8. Okay, so let's do section 2 with the counts. 7, 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. So there's an option. Instead of doing the full turn to the right, you can do 2 steps forward. So it's maybe it will be easier for some of the dancers. So if we do section 2 without the full turn, but 2 steps forward, it's 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, so I will try it from the top, section 1 and section 2, but I will do the full turn. Okay, so we start with the right foot, 7, 8. 1, 2 and 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Then you will do a half paddle turn. So you go forward, recover, and you will do a quarter turn to the left each time. Then you will do a jazz box. So you start with the right foot, you cross, you go back, side, and you go forward. So let's do section three with the counts. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So let's start from the top. Section 1 to section 3. 7, 8. 1, 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section 4. You do a forward shuffle starting with the right foot. So 1 and 2. Then you go forward with the left and you will do a half right turn pivot. So you go forward, recover on the right foot. Then a forward shuffle again. So 5 and 6. And you will do a half right, half left turn pivot. So forward, recover on the left. And you're back on the 9 o'clock to do section 1 of wall 2. Okay. So let's do, just to be sure, all the sections on wall 1. Okay. 7, 8. 1, 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8. And then you're back to section 1. 1, 2, and 3, and 4. Okay? So when you do wall 2 and wall 6, you will do only the first 24 counts, and you will do a restart. So let's try just for fun, wall 2, the first 24 counts. So you will end with the jazz box, and you will do the restart. So 1, 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. 1, 2, 3, jazz box, 5, 6, 7, restart. 1, 2, and 3, and 4. So at the end of wall 2 and at the end of wall 6, and the 2 times you're facing 6 o'clock when you do the restart, okay? So for the ending, you do the section 3 facing 6 o'clock, so half paddle turn, 1, 2, 3, 4 jazz box, 5, 6, 7, 8, and I put my arms each side. But that's a very personal way to end it. So I hope you enjoyed learning this dance with me. So take care and stay safe.